de la journée. Il me semble avoir arrêté de filmer juste après le déjeuner. Ouais, j'ai préparé le déjeuner. Et juste après, en fait, on est allé avec mon mari, on avait des choses à faire. Donc on est sorti, on avait quelques bricoles à acheter. Et du coup voilà, j'ai pas pris ma caméra pour vlogger. Alors là il est très exactement 8h10, on s'est préparé. On va aller se balader à Cassis, aller manger là-bas également. Alors je vous avoue que j'ai pas très très faim, j'ai pris mon goûter vers 4h30. J'ai pris un gros goûter, vous savez les goûters de chez Paul là, croissant, gros café avec un jus d'orange et tout. Franchement j'ai super bien mangé. Et oui du coup j'ai pas très faim, donc on verra plus tard si je jeûne ou pas. Le truc c'est quand je sors, voilà on sort comme ça en famille, mon mari ça l'agace que je mange pas, voilà à chaque fois qu'on va au resto et du coup il commande que pour lui, il me dit mais mange et tout. En fait je pense avoir entre guillemets mal choisi ma période du commencement du jeûne intermittent. Là encore voilà c'est l'été, on sort le soir, les journées elles sont longues et tout, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal on va dire pour commencer, mais... Je ressens pas le besoin, enfin j'ai pas faim. C'est juste pour lui faire plaisir à lui et à Lilou aussi. Donc on verra ce soir, mais j'ai pas très faim. Donc on verra si je mange ou pas. Et voilà, je vais partager des petits moments par-ci par-là avec vous. J'ai fait un petit make-up au niveau des yeux. Ça fait très très longtemps, je me suis pas maquillée les yeux. Bon c'est très, voilà, c'est très léger encore une fois. C'est pas foufou. J'ai mis un petit fard à paupières couleur bronze. Et je suis venue en fait les tirer avec... je vous parle comme ça. Et je suis venue les tirer en fait avec un crayon un peu prune, bronze comme ça. Juste histoire de changer un petit peu. J'arrête de blablater, c'est parti les filles, je vous embarque avec nous. Bon les filles, on vient tout juste d'arriver à Cassis. En fait on ne savait pas, mais un collègue à mon mari nous a dit qu'il y avait un feu d'artifice ce soir apparemment. On ne savait pas du tout. Lilou il est là, par ici. J'ai pris des vestes, bon moi je suis partie avec une veste, mais Lilou je lui ai pris quand même un petit gilet parce qu'il s'est rafraîchi un petit peu, il y a un petit vent qui s'est levé. Bah écoutez, let's go, on y va. Coucou Lilou. Ça va Lilou? Les filles, je vous reprends le lendemain, pas matin, il est déjà midi et quart. On a un peu dormi ce matin, traîné aussi. Après bon voilà, c'est les vacances, je veux pas culpabiliser. Enfin, j'aime pas trop dormir le matin, je me dis que je passe à côté de beaucoup de choses.
Enfin, je me dis que moi personnellement parfois j'ai l'impression qu'une journée ça me suffit pas tellement qu'il y a, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Après j'ose pas imaginer voilà, les mamans, enfin les parents, une famille nombreuse tout simplement, 3, 4, 5 enfants, voire même plus, mon Dieu, ça doit être vraiment toute une organisation. Mais déjà moi avec Lilou à la maison, cette année on a fait un petit peu l'erreur de le laisser à la maison. En fait, je voulais le mettre au centre aéré. Bon, son papa aussi, il n'était pas contre. Mais le truc, c'est que j'ai une voisine qui m'a un peu, voilà, fait peur. En me disant, le centre aéré, c'est pas bien. Ils s'en occupaient pas bien. Enfin, voilà, ils laissent un peu les enfants jouer. Sans trop s'en occuper. Voilà, ça m'a un petit peu... Voilà, j'étais un peu réticente, je voulais pas le laisser comme ça. Et franchement, j'ai eu plein de retours positifs, notamment à mon neveu, moi, qui est parti. Je sais pas s'il y va encore ou pas. Mais mon frère, il m'a dit qu'il allait au centre aéré, que ça se passait super bien, qu'il faisait des sorties, qu'il jouait. Voilà, ça se passait super bien pour lui. Je me dis, moi, Lilou, le pauvre... Enfin, Lilou, il est très... il bouge beaucoup. C'est pas un enfant, voilà. Bon, nous, l'écran, il a pas... Enfin, il a pas droit à l'écran, il a droit à la télé. Mais pas toute la journée, mais tout ce qui est tablette, téléphone, tout ça. C'est strictement interdit. De temps en temps, on lui laisse le téléphone, mais voilà, quand son père, il regarde une vidéo, il y a un truc qui fait rire ou quoi... Voilà, il regarde, mais genre, il n'est pas comme ça sur le téléphone ou sur une tablette ou quoi que ce soit. Du coup, on le sort au maximum, voilà, on essaye de faire des activités avec lui. Mais avec la chaleur, j'ai envie de vous dire, à part aller à la plage, tout ce qui est parc, enfin tout ça, tu peux pas trop, quoi. Cette année, il a fait extrêmement chaud. Donc, je me dis que là, même pour les vacances de c'est quoi là, octobre, c'est la Toussaint. Voilà, même pour les vacances de la Toussaint, je vais le mettre quelques jours au centre aéré. Parce que moi, mon fils, voilà, quand il est avec des gens, enfin, je l'observe, même quand on sort, on l'emmène au parc ou même à la plage, il est très sociable, il va vers des enfants, même vers des adultes, il papote beaucoup, il parle beaucoup, il est très ouvert. Donc je me dis que le centre aéré, je vois pas en quoi ça pourrait lui déplaire, je pense pas. Lilou, il est pas compliqué, tu lui donnes 2-3 enfants, des jouets, un toboggan, des choses comme ça, c'est le plus heureux. Donc là, c'est vrai qu'à la maison, parfois, je le sens un peu tristouné. Il réclame son père et moi. Maman vient jouer avec moi. Maman reste avec moi. C'était pas hier, avant-hier, j'étais toute la journée sur l'ordi. Donc je montais le vlog de la vidéo. Il m'a dit, mais maman, t'es toujours occupée sur l'ordi. Tu veux pas jouer avec moi et tout. Et j'ai tout de suite arrêté, en fait, ce que j'étais en train de faire. Parce que, en tant que maman, tu culpabilises que ton enfant te jette ça comme ça et bah, je me dis le pauvre il a remarqué quoi, même si c'est un enfant il le voit que je lui consacre pas beaucoup de temps quand on est à la maison. Donc ce matin c'est ce qu'on a fait, il voulait jouer à cache-cache, on a joué à cache-cache, il a sorti tous ses jouets, il a une espèce de enfin comment on appelle ça, un support pour bricolage en fait, c'est comme un petit garage, voilà. Donc il m'a dit maman viens on va réparer les voitures, dévisser, donc on a fait ça ensemble et tout. Bon là ça fait un petit quart d'heure que je me suis libérée, je le laisse tout seul, mais je sais que dans une demi-heure grand maximum 40 minutes il va faire appel à moi. Donc voilà, c'est pourquoi si vous avez des retours les filles, si vous avez l'habitude en fait d'expérience dans le domaine du tout ce qui est centre aéré, centre de loisirs, tout ça, dites-moi ça en barre d'infos les filles, je serais curieuse d'avoir des retours. Et sinon, programme de la journée, je pense pas qu'on va sortir, encore une fois, il fait extrêmement chaud. On va rester à la maison. J'ai préparé des pop-corn par ici, je vais donner à Lilou pop-corn, je vais lui mettre un petit film ou un dessin animé. En ce moment, il aime bien regarder Heidi. Je lui fais découvrir, ben, il y a pas mal de temps, hein, il y a peut-être... Vas-y, tu finis, t'appelles maman, je te lave. Du coup, je vous disais les filles, ouais, je vous ai fait découvrir Heidi, oui, ça fait à peu près un an. Il a déjà fait tous les épisodes, à chaque fois il me réclame Heidi, donc je pense que je vais me mettre devant Heidi avec du popcorn, je vais me mettre avec lui. Je vais faire mon petit ménage maintenant, j'allais dire à la fraîche, mais il fait plus frais. Juste un petit ménage léger, globalement, la maison, elle est propre. Je me fais également mon petit café. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de café, les filles. Enfin, longtemps. Ça fait quelques jours. 4-5 jours, quelque chose comme ça. Peut-être même une semaine. Donc, je me fais un petit café noir. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis, voilà. Du linge à envoyer en machine. Oui ? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mon cœur. Voilà, du linge à envoyer en machine. Un petit linge à plier. Une petite corbeille. Et puis voilà, on va se faire à manger, on a déjeuné un petit peu, on a petit déjeuné tard, donc on n'a pas très faim. Il reste les restes d'hier. Ah oui les filles,
la recette que j'ai fait hier, donc j'ai fait les étapes avec vous, mais je vous laisserai la recette en barre d'informations. C'était juste délicieux les filles, je vous laisserai la recette en barre d'informations. Si vous voulez la recette avec plus d'étapes, enfin disons plus parlante, elle est sur mon compte Instagram, donc je vous laisserai également le compte Instagram si ça vous dit de me suivre sur Insta. C'est vrai que je partage plus sur Insta que sur YouTube tout ce qui est recettes. Bah, je vous partage en fait mon quotidien. Donc voilà, si ça vous dit de me suivre. Voilà les filles, donc je vous laisse les liens en barre d'informations. Je vais laver le petit Lilou et je vous reprends plus tard. Thank you.
Hello les filles, je vous reprends par ici en cuisine. Je m'apprête à préparer, vous savez, le fameux cake, le carotte cake, là, le cake connu de chez Starbucks. Mon Dieu, j'adore manger. À chaque fois que je vais chez Starbucks, c'est vraiment le truc que je prends. Et voilà, j'ai une envie de manger ça. Lilou, il aime bien ça aussi, c'est mon mari aussi d'ailleurs. Donc voilà, je voulais préparer ça à la maison. Vous allez voir, c'est hyper simple, rien de sorcier, c'est juste très très bon. Et je vais travailler ensuite le dessus avec... du fromage Philadelphia, voilà, en sorte de crème comme ça, avec voilà, avec de la déco. De toute façon, vous allez tout voir en image. Là, ce que je vais faire, les filles, c'est que je vais juste faire les étapes avec vous. Je vous laisserai la liste des ingrédients, comme d'habitude, en barre d'informations. Parce qu'en fait, je partage la recette en deux fois, donc sur YouTube avec vous et sur Instagram aussi. Et voilà, comme ça, ça fait deux recettes de poster et les gens pourront en profiter. Ah oui, autre point que je voulais préciser, les filles, pour celles qui n'aiment pas la carotte. Sachez que le goût n'est pas du tout, enfin on retrouve pas le goût de la carotte, enfin comment dire, tu sais que tu es en train de manger quelque chose à base de carotte, il y a quand même quelque chose, mais voilà, c'est pas de la carotte que tu manges comme ça pure, râpée ou quoi que ce soit. Donc si jamais vous avez peur pour vos loulous ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, la carotte passe inaperçue là pour le coup. Donc je vais essayer de vous mettre dans un angle plus ou moins correct pour vous. Moi je vais faire toutes les étapes dans le e-compagnon, les filles. Bien évidemment qu'on n'a pas besoin de ça pour le cake. Vous mélangez tout avec le batteur. Donc let's go les filles, c'est parti. Si je vous montre, donc voilà, on obtient un mélange comme ça, plus ou moins blanchi, et ensuite je viens incorporer mes œufs un par un. Voilà le mélange qu'on obtient avec les œufs. À cette étape là, donc je viens ajouter ma crème fraîche et mes carottes. Déposer en fait mon mélange dans un moule à monquer que j'ai légèrement graissé comme ça avec un petit peu d'huile, et pour la cuisson, donc ça part au four à 180 degrés. Moi je fais je mets à chaleur tournante pendant à peu près 40 minutes à 45 minutes. Donc à partir de 40 minutes, vous commencez à surveiller votre cake. Donc moi ce que je fais pour savoir par rapport à la cuisson, en général ça me prend entre 43 et 45 minutes. Donc je prends juste un couteau comme ça, je plonge. Si le couteau il ressort sec, c'est que le cake est cuit. Voilà, ça part en cuisson et je vous reprends plus tard les filles. Je vous montre le cake, il est par ici. Donc il a pas totalement refroidi, il est tiède. Donc j'ai mis un petit peu de lait par dessus, je vais laisser totalement refroidir. Par ici j'ai concassé un peu de noix, ça va me servir pour la déco. Ensuite par là je vais travailler la crème. Donc moi je vais mettre du fromage Philadelphia et du beurre. Tout simplement battre le tout ensemble et mettre au frais. Et ensuite je viendrai mettre par-dessus le gâteau, mais j'attends qu'il refroidisse totalement. Voilà. Bien plus tard, il est déjà 19h. Je viens de rentrer de chez Action. Je voulais partager avec vous des trouvailles Action. Voilà, je pense que ça peut être intéressant si jamais il y a des choses qui vous plaisent. Allez-y. Alors, j'ai pris ces verres-là. Ces verres-là, c'est des verres à eau. Voilà, des petits verres comme ça. Vous voyez, c'est marqué donc sur le devant water. Donc, j'en ai pris deux. Je vais les garder pour l'eau. Je vais renouveler ce que j'ai. Je suis tombée sur cette jolie planche à découper les filles en bois. Elle est juste, magnifique. Le bois, il m'a l'air massif. Il m'a l'air de très bonne qualité. Elle coûtait pas cher du tout. Je crois qu'elle était à 6,99€, il me semble. Oui, 6,99€. Voilà, une planche en bois comme ça. En plus, il m'en fallait une. J'en ai deux, mais elles commencent à rendre l'âme toutes les deux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, coup de cœur les filles, j'ai pris de la vaisselle. Je vais juste vous montrer un de chaque, je vais pas tout déballer. Alors, cette assiette, regardez, hop. Il y avait donc en vert, un verre d'eau, en bleu, un bleu très très clair, en beige. Il y avait quoi d'autre? En marron, il me semble. Enfin, il y avait plein d'autres couleurs, j'ai pris le bol également avec. Hop,
faire l'ensemble. Donc voilà, ça me fait l'assiette plus le bol. J'ai pris donc 4 de chaque. Les filles, ma cuisine est dans un état, je vous montre pas. Ah oui, par rapport au gâteau, les filles, de cet après-midi, juste essayez la recette. Vous avez vu, je vous ai montré en image, il est juste dingue, très facile à faire. Je vous laisserai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout listé en barre d'informations. Voilà, je vais arrêter là le vlog, les filles, parce que je vais ranger la cuisine. Il faut que je prépare Lilou également, il va aller passer la nuit chez sa mamie. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous embrasse, des millions de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, bye.